Hello tout le monde, c'est Kéros. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième et dernier épisode du Fort Boyard. Donc, on va commencer sans plus attendre. On reprend là où on avait arrêté la dernière fois, ce qui est très logique. Donc, là, on va prendre des demi-dalles. Où sont-elles les demi-dalles? Voilà, les dalles de pierre, excusez-moi. Donc, prenez bien les dalles de pierre. Là, on s'en fout d'ici. Donc, là, on commence comme ceci et hop, on remet ça. Donc ça sera pour faire le haut des portes. Donc vous faites au-dessus de toutes les portes. Mais pas celles qui sont barrées par les barrières, hein, malheureusement. Mais bon, comme je l'ai dit, moi je préfère le côté aspect... comment dire, architectural, quoi. Que le côté pratique. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez un peu modifier les pontons pour que ça vous fasse une porte, pour que vous fassiez des épreuves, si vous voulez faire des épreuves, parce que moi je n'aime pas la déco intérieure comme je l'avais expliqué. Donc il n'y a pas de souci pour ça, hein, c'est toujours mieux quand on personnalise nos constructions. Voilà. Donc on revient à nos petits toits de porte, si on peut appeler ça comme ça. Et puis vous en mettez tout au-dessus de toutes les portes. Donc voilà, une fois que ceci étant fait, eh bien je vous propose on a été où là? Donc là, l'intérieur est fait. Oui, donc là, il faut faire le... Comment ça s'appelle? Ah, la cage des fauves là. Hein. Donc là, hop, par contre, je ne sais pas où elle est en vrai dans Fort Boyard. Donc je vous propose une petite ellipse et je vais regarder ça sur internet pour voir où... de quel côté est la cage des fauves? Ah, mais au pire, on s'en fout. On regardera ça après. Hop, mon micro était un peu trop loin. Hop, je pense que vous m'entendez mieux comme ça maintenant. Oui, on regardera au moment de faire la cage, hein, tout simplement. Hein, de faire la cage du perfora. Hop, donc là, vous faites comme je fais. On en met tout partout. Tac, tac. Et on fait tout le tour comme ça. Et l'autre côté. L'autre côté, je suis. Alors, on va déjà faire un côté et on verra après. Alors, nous voilà avec ce premier contour de fait. Donc, de ce côté, ça sera la cage des lions. Donc là, on va reboucher ce qu'on avait fait auparavant. Sauf que, ouais, c'est bon, je suis dans l'alignement. Donc, hop, on rebouche juste la petite fenêtre de ce côté. Voilà. On va prendre de l'altitude, voir à quoi ça ressemble. Ok, donc là, c'est pas mal. De ce côté, de ce côté, je pense qu'on va laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, mais là-bas, ça va pas. Donc, hop, alors, on reprend ici. Hop. Donc, trois blocs. De l'autre côté, on refait trois blocs. Toujours, hop, et trois blocs. Voilà, alors là, ça rend déjà à peine mieux. C'est chiant, c'est vachement haut ce plancher au final. C'est vrai qu'il y a six blocs à monter. Hop. Nous voici, nous voilà. Alors là, encore 3 ici. Voilà. On rebouche tout ça. Hop. Merde. Voilà. Donc là, on va faire l'entrée dans la cage des boyards là. Hop, voilà. Comment on pourrait faire? Tac. On va faire un peu le même truc que la dernière fois, je pense. Comme ça ou comme ça. Les fenêtres sont comme ça, donc on va faire comme ça. Alors, on va prendre des grilles pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Alors, vous cherchez les grilles qui sont celles-ci. Hop. Après, tac. Et on met des grilles tout autour. Voilà, hop. Mince. Mince. C'est trop galère à poser les grilles. Mais une fois que c'est mis, on est tranquille. Hop,
Voilà. Alors, non, merde, faut que je fasse le tour maintenant, forcément. On reprend les demi-dalles, parfait. Donc là, on va se mettre. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais dire qu'on se mette à 4. Ouais, 4, c'est pas mal. Donc, hop, 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 et hop. Super. Et là, on va faire. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait. Comment on pourrait faire, surtout? Je pense qu'on va refaire comme ceci. Ouais, que, non, on va laisser comme ça. Et puis, par contre, il me faut des blocs entiers. Hop, on monte de 3, disons. On va prendre soit de l'argile noire, comme vous voulez. Hop, voilà, voilà, l'argile noire, premier vu, premier trouvé. Premier vu, premier prix. Donc, comme vous voulez, hein, soit vous prenez de la laine, soit de l'argile noire. Hein. Après, c'est vous qui décidez. Hein. J'aime bien quand c'est personnalisé, personnellement. Comme je vous le répète depuis le début, donc c'est toujours cool de voir plusieurs versions de Fort Boyard, et tant qu'elle nous plaît à nous, c'est le principal. Hop, on met des grilles tout autour. Hop, ça comme ça. Ah ouais, mais là c'est la merde. Tac, tant pis, hein. On n'a pas le choix de faire comme ça. Quoi qu'il en soit. Ouais, bah tant pis. On va mettre ça comme ça. Hop. Tac, tac. Hop. Et voilà. Voilà, donc là, ça fait la cage où il y a les boyards qui tombent. Et il me semble que j'avais vu un truc une fois, c'était vachement cool. Ouais, mais non, non, non. J'ai rien dit. On va pas se faufiler là-dedans. Bref, donc là, on en est où? Donc là, il faudra faire une cage ici. Donc on va faire une cage de fauve ici. Voilà. Toute simple, hein, bien entendu. Hop. Felindra, tête de tigre. Hop. Voilà, super. Et là, ça nous fait un enclos. Tac. Comment ça? Tac. Là, on va mettre des grilles ici. Voilà, jusqu'ici, vous venez. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Avec le décalage. Voilà. Donc là, vous avez une cage de ce côté et on en refait une de l'autre côté en symétrie, hein, toujours. Toujours de la symétrie, je suis un pro de symétrie, je fais jamais rien qui n'est pas en symétrie, je déteste ça. Je trouve ça, je sais pas, c'est pas beau quand on fait pas en symétrie, j'ai l'impression. Mais malgré que j'ai déjà fait des trucs asymétriques et qui étaient très très beaux. Mais j'aime bien quand même quand c'est en symétrie. Point final, je n'ai pas à me, à me justifier. Je suis chiant, hein, tout le temps à débattre. Hop. Donc nous voilà pour notre deuxième enclos. Voilà, qui est super. Donc je crois qu'il y en a plusieurs d'enclos aussi. Hein. Tac, il y en a un autre ici. Ça fait chier parce que c'est moins profond. Hop. Écoutez, tant pis, on fait quand même comme ça. Voilà. Hop. On s'en fiche de toute façon. Voilà. Bon, au final, ça va, ça. Hein. C'est un enclos, mais bon, pour un lion, je pense qu'il devient vite fou là-dedans, mais bon. On a déjà vu pire. Hein. On a déjà vu pire en vrai dans dans les animaux maltraités. Bah là, il y a une couille, hein. Il y a une couille dans le pâté. Qu'est-ce que j'ai mal fait là? Ouais, bah écoutez, ça changera au moins. Ça changera. Ok, donc là, on refait ici. Donc hop, on perce le mur. Ah ok, en fait j'ai laissé ça alors que ça n'a pas lieu d'être là. Ok, bon bah c'est pas grave, ça change. Ça changera. Ça apporte un nouveau décalage. Et puis après, si vous ça vous plaît pas, vous pouvez refaire comme les premiers. Car en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas cassé le dernier bloc. Mais si je casse le dernier bloc, il se retrouve avec un bloc de liberté, les fauves. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop, et on remet du grillage. Tac, c'est parfait tout cela. Hop, hop. Voilà, parfait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des lettres par terre. Il y en a 26. Bon, bah, de toute façon, on peut pas mettre des lettres par terre. Mais ce qu'on peut faire, c'est prendre des blocs gris. Alors, on va prendre argile durcie et argile blanc. Hop. Et là, on va se mettre à peu près là. 1, 2, 3, 4, 5.
Tac, puis on va faire jusqu'à là-bas à peu près. Voilà. Et puis on fait comme ça. Et là, ça sera où il y aura les lettres. Donc je vais expliquer. Je ne sais pas si ça va faire beau. En tout cas, je l'espère. À vous de voir s'il faut faire un bloc comme ça, un bloc comme ça, un bloc comme ça, un bloc comme ça. Ou alors directement des blocs comme cela. Par contre, c'est pas de l'argile gris, c'est dégueulasse, ça fait rose un peu. Gris, le voici, le voilà. Hop, voilà. Ou à, et puis faire comme ça. Voilà. Donc on va essayer des deux façons. Peut-être. Ah, attendez, là-bas c'est l'argile qui est dégueulasse, voilà. Ce qu'il y a de mieux, je pense que c'est de faire tout à un bloc. On va essayer comme ça. Écoutez, vous faites comme vous le sentez. Au moins, vous aurez vu les deux façons. Moi, je préfère faire ça comme cela. À vous de voir. Hop, voilà. On termine cela. Oula, alors là, on casse tout ça. Et après, vous pourrez mettre, comment ça s'appelle, les oslo. Moi, c'est ce que je vais faire, hein, de toute façon, comme ça sera un petit peu plus réaliste, puis qu'au moins ils pourront pas se sauver, donc vous serez pas obligé de tuer les Oslo qui seront dans tout votre Fort Boyard. Hein. Hop. Voilà, on termine là-dessus. Alors, les œufs d'Oslo. Alors là, va les trouver. Gardien. Oslo, parfait. Alors, on va en mettre. Ah, oh, ça y est, ils font déjà des gosses. Ça commence. Ah ouais, et surtout en mode ville, là, ça fait tigre, hein. Ça fait tigre. On va reprendre des barres de fer. Hop, voilà. Comme ça, il y aura un ou deux oslo en cage. Bah, voilà qui sortent. Hop. Non! Alors, on va faire autrement. On se met au-dessus. Hop. Ah, puis j'ai un gosse. Là, on en met 3-4 quand même. Hop, parfait. 3. Après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil parce que là on peut en mettre deux par exemple, comme ça change. Puis il y a un tout seul, comme ça on dira qu'il est blessé. Voilà. Donc là il y a un peu des oslo un peu partout. Donc voilà, c'est nickel. Hop, ça c'est bon. Là on va faire la tête de tigre. Alors. On va prendre quoi comme tête de tigre? On va prendre celle-là, crâne de squelette. De toute façon, il n'y a pas de tête de tigre. Et puis, on va faire sur du bois. Hein, ça ira. Ça ira. Hop. Et tac. Voilà. Qui est super. Bon, écoutez, on a terminé la salle des tigres. On a terminé le design intérieur de la cage, on va dire. Donc là, ce qui nous reste à faire, eh bien, c'est la tour du Père Foura. Alors, j'avais dit que je regarderais sur internet de quel côté elle était. Alors, je vais regarder ça en deux spi. Fort Boyard. Hop. Bon, c'est vrai que là, on a bien réussi, hein, le Fort Boyard. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, malgré qu'il manque pas mal de détails, mais c'est une version assez facile, hein, bien entendu. Donc la cage du le truc du Père Foura, il est de quel côté? Ok, c'est du côté c'est de l'autre côté des fauves, il me semble. Ouais, c'est de l'autre côté des fauves. Donc on va le faire de l'autre côté des fauves, ce qui nous donne ici. Voilà. Alors, on va essayer de faire une belle tour parce que ça c'est le détail qui va faire vraiment la différence de votre Fort Boyard. Alors, on va faire une tour de 4 comme ça. 1, 4, oui, 4. 1, 4, 1, 4, 1. Voilà. Et on va monter sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est déjà pas mal. On va monter à 12. On va monter à 12 et on fait 12 de hauteur donc. Donc voilà, une fois que ça
C'est fait. Je suis très hésitant point de vue de la largeur, de la circonférence du pilier, on va dire. Je suis. Ouais, c'est vrai que je suis assez partagé. Alors, je regardais une photo en vrai, comment il est fait. Ouais, il est fait comme ça. Merde, j'ai envie d'éternuer. Suis désolé. Alors, cet épisode commence à être du grand n'importe quoi. Alors, on va vite se remettre dedans. Alors, en fait, la tour, j'ai l'impression, il n'y a pas de décalage. En fait, peut-être comme ça, un léger décalage comme ça. Pire, ça sera plus grand pour aménager, écoutez. Parce que ça, j'ai envie de l'aménager. Oui, c'est comme moi j'ai envie, en fait. Mais allez, sinon, clairement, c'est de la merde, le design intérieur. Après, ceux qui font ça, franchement, je trouve ça hyper beau, le design intérieur. Je me rappelle de Biloulette qui faisait des super beaux trucs en design intérieur, franchement. C'est grâce à elle que j'ai appris pas mal d'astuces également. Hop, nous voici, nous voilà. On va prendre un petit coup de potion là. Parce que j'en ai ras le cul de tout faire à deux à l'heure. Hop. Donc là, on fait le sol du perchoir, hein, si on peut dire ça comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Sécher le perfora, quoi qu'il en soit. Notre idole. Hop. Et là, c'est pas trop dégueulasse. À vous de voir si vous voulez faire en gris ou en vert. Je pense que c'est mieux de le faire en vert quand même. Alors on va le faire en vert. Ils sont où les verts aussi? Voilà. Donc on le fait en vert, vert tout simple, hein, de toute façon. Vert transparent. Hop. J'espère que ça vous perturbe pas trop le pack ville du coup. Mais ça me faisait mal aux yeux. Je sais plus si je vous l'avais dit. Et c'est vrai que j'avais mis le pack ville sur Xbox One parce que ouais, ça me perturbait un peu là, ça commence à me saouler de toujours avoir le pack de base. Puis c'est vrai que quand je joue sur ordi, j'ai des packs super beaux avec les shaders et tout ce bordel. Au final, ça fait chier d'être sur Xbox. C'est pour ça que les tutos, je vais arrêter sur Xbox. Et je vais reprendre. Je vais prendre sur ordi hein, pour les. Comment ça s'appelle pour la construction du Burj Khalifa. Hop, donc on reprend les demi-dalles. Hop là, parfait. Alors on va faire ça. Voilà. Tac. Donc vous faites un petit rebord. Hein. Une gouttière. Non, sérieusement, vous faites un petit rebord. Et après, je vais vous expliquer comment on va faire. Comment on va procéder pour la suite. Une fois que les petits rebords seront faits. Donc là, c'est moi qui fais de la merde, hein. Hop. Car après, il va y avoir un petit décalage, en fait. On a à combien de minutes d'épisode, là? Ça, pas que ça soit trop long non plus. Autour de 30 minutes, c'est pas mal, je pense. Ça passe assez rapidement, les 30 minutes. Hop. On est à quasiment 21 minutes, ok. Alors, hop, hop, hop. Donc là, on va refaire un comme ça. Un à plat, quoi. Tac. Donc faites attention, il faut bien suivre où on en est, pas mettre un bloc en trop. Et là, hop, on monte comme cela. Et on fait, et on rebouche tout le reste comme cela. Avec un demi-bloc en plus, en fait. Tout simplement. C'est tout simple. Et une fois qu'on aura terminé cela, eh bien, on aura terminé le Fort Boyard. Voilà, et regardez, on va prendre du recul, et là, vous allez dire, ah ouais, là, ça fait déjà fini. Donc le voici, le voilà, il est terminé, ce Fort Boyard. C'est vrai que j'ai pas fait tous les détails, après, libre à vous de faire les détails. Moi, j'aime pas faire ce genre de choses. Donc j'ai décidé de ne pas le faire, pas final. alors il y a une porte ici, voilà. Alors il faut trouver les portes ce coup-ci. Où sont-elles? Tac tac tac, voilà, les voici, voilà. Porte en chaîne, hop, voilà. Alors maintenant on va faire des escaliers pour monter jusqu'au-dessus. Ça va être pénible. Ça va être pénible. Hop, de là. Hop.
Alors, c'est galère à faire. On fait les marches, après libre à vous de faire les marches qui vous plaisent, hein, une fois de plus. Il n'y a pas de souci. Là, c'est à peu près pareil. On s'en fiche, c'est juste pour monter. Fou, ça va être long de monter jusqu'à là-haut, hein. Enfin, de faire jusqu'à là-haut. Alors, je vous montre comment on fait les escaliers. En fait, on fait un L. Après, deux comme ça. Deux comme ça. Dès qu'on arrive dans le coin, un L. Hop. Deux comme ça. Deux comme ça. Un L comme cela. Voilà. Hop. Alors là, ça va être l'arrivée des marches. Là, faut pas casser. Et puis, hop, on arrive ici. Parfait. Alors là. Ouais, la marche, là aussi, tac, tac, jusqu'à qu'on puisse passer quand même. Voilà, là on peut passer. On rebouche ça, on met des barrières. Hop. Alors le père Foura, il est direct après les escaliers en général. Il est juste ici dans son bureau là. Où il baise la gueule à tout le monde. Surtout. Sauf que là, ça me plaît pas comment j'ai fait. Ah ouais, mais là-bas ça va pas me plaire non plus. Voilà, là, ça fait comme ça, hop. On va mettre une petite bougie. Tac, la bougie, elle est où? Où est la bougie? Les torches, mais oui, je suis con, hein, je cherche bougie aussi. Hop, la torche ici. Excusez-moi, je suis malade. Et puis, ça c'est quoi ça? Barre de l'Ender. Moi je cherche. Ah voilà. Pour faire le sablier là. Hop. Le petit perfoura qui va le tenir. On va le poser là ce truc. Voilà. C'est très bien. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on arrive à la fin. Hein. On arrive à la fin de cette série. Ça aurait été rapide. Hein. Ça aurait été très rapide. Franchement, c'est une construction. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est une construction, on va dire, il y a débutants, amateurs. On va dire que c'est amateur, quoi. C'est 2 étoiles sur 5. Donc, par rapport au Titanic qui était 4 étoiles, je dirais. 3 étoiles et demie. Là, c'est 2 étoiles. Franchement, c'est très très facile à le faire. Et ça a un rendu visuel. Je trouve que c'est cool de voir le Fort Béard comme cela. Donc, après, on pourrait faire. On pourrait faire des détails en plus. Ce qui serait sympa à faire. Ouais, non, on va laisser comme ça. Écoutez, on va laisser comme ça. Et libre à vous de faire les détails. Comme ça, chacun fait les détails qu'il veut. Donc, c'est cool comme ça. Et puis c'est nickel. Donc, en attendant, j'espère que cette série vous aura plu, une série de plus ensemble. Donc, je vous rappelle le Titanic et maintenant le Fort Boyard. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser la gomme de commentaire, la gomme de pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, les prochaines vidéos et la prochaine série qui va être le Burj Khalifa, qui va être du tonnerre. Franchement, abonnez-vous et n'hésitez pas à faire un max de pubs, partager sur tous les réseaux sociaux. Je compte sur vous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye tout le monde. C'était Kéros.